C'est l'heure du vieux janvier aujourd'hui, c'est nous niveau 1 encore une fois, mais cette vidéo n'est pas un débrief. C'est juste pour vous remercier les gars, et les filles, hein, pas de discrimination, d'avoir été aussi nombreux à regarder ma vidéo. À l'heure où je vous parle, il y a 723 vues, et ça les gars, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, on va parler de quelque chose d'un peu plus négatif. Des sanctions pourraient être prononcées à l'encontre du FCMS suite au jet de pétard et la Horda pourrait malheureusement être dissoute. Donc, bon, on en saura déjà plus jeudi, mais je pense que la LFP va faire un compromis de merde du genre ouais, si t'arrêtes la Horda, il y a moyen le match se rejoue. Tu vois le délire ou pas? Et. Qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment un coup dur pour le FCMS parce qu'en plus ça peut engendrer des pertes de points. Lopez, bon, il est gravement touché. Bon, je m'excuse encore une fois auprès de Lopez au nom de tout le peuple Luanda. Ensuite, ça peut se faire. Il peut y avoir des matchs à huis clos partiels ou total. Des interdictions de déplacement. Enfin bref, tout un tas de sanctions qui sont vraiment bêtes et vraiment dégueulasses. Alors, ceux qui ont fait ça, je dois vraiment vous dire que là-dessus, vous avez été stupides. Même que ce soit les fans du FCMS, les supporters, vraiment hein, les fanatiques bien costauds comme moi, tu vois. Hein. Oui, j'ai un corps de lâche, et alors? Ensuite, l'entraîneur, Philippe Hinschberger, et les joueurs, les gars. Même Signorino, dans un tweet, il a écrit qu'il comprenait qu'on était furax après la défaite de mercredi. Mais jeter des pétards sur quelqu'un qui a rien demandé? Non, il tolère pas ça. Il dit que la violence dans le stade, elle est vraiment prohibée. Voilà, c'est le mot. C'est un mot pas piqué des hannetons, certes, mais c'est le mot. Les gars, venez en paix au stade. Pourquoi vous avez fait ça, franchement? Ça vous a rapporté quoi? Déjà, ceux qui se sont fait coincer, eh ben, match à Chaillot, le stade, adios amigos, hein. Ensuite, ça pénalise le FCMS. Alors ça, c'est con, mais d'une force. Alors là, la connerie, normalement, elle est là. Hein, la connerie normale, tu vois. Les gars, vous êtes là. À partir de là, je peux plus rien pour vous. Vous êtes vraiment pas piqué les hannetons. Hein. La prochaine fois, venez être décalage, on vous dira rien. Hein. Tirez sur le gardien adverse. Hein. Après tout. Et même toute l'équipe adverse. Hein. Parce que. C'est inadmissible, mais tout simplement. Vous n'avez pas idée des peines de prison que vous allez prendre, ensuite des pénalités que le club va prendre, parce que là, on va douiller, hein, les gars. Alors là, on va se prendre une de ces carottes, mais pire que Bugs Bunny, hein, ça va être. Ça se trouve, on va se retrouver au fin fond de la. Du fin fond de la Ligue 1. À part ça, et ben, mercredi de 15h30 à 17h, toute l'équipe du FCMS sera présente au Leclerc de Creutzwald. Hein. Donc pour les intéressés, hein, ça peut toujours dépanner. Et à part ça, ben, rien du tout. Alors je vous laisse et à bientôt pour un nouveau débrief. Allez le FCMS, allez le Joana, abonnez-vous, laissez un gros pouce bleu et surtout, surtout, prenez soin de vous. Referee, tell by my attitude that I'm most definitely full.